Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Vous regardez Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Bienvenue. Passe à la bouche, pas ça. Passe à la bouche alors. Super. Hein. Alors. Et à ce tu fais la musique, ça? Oui, nous faisons un petit peu la musique. Tu fais la musique? Ben. Mais nous, on va s'en aller à l'instant. Ok. Alors. Ok. Hein? Bonjour, okay. Madame. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Ça va, ça va. Bien, ça vous rentrez aussi. Qu'est-ce qu'on attend dans le sac là-haut là? Fais un petit bonbon. On est un peu flabillé d'autres alors. Ouais. On dirait que l'Aine arrive ici. Ouais. Hein? L'Aine a le chemin à côté, l'Aine par ici. Bonsoir. Eh, par exemple, pourquoi habillé? Non, pourquoi habillé? Pourquoi habillé? Non, pas encore. Pas ça, oui. Hein? Ben, hé, hey, François, elle sort. Pas moi, elle a dit comme ça, actuellement, on est en route de décoffrage. C'est vrai? Ta l'air sera bien. Oui, hein? Ta l'air sera bien. Mais bon, bien. Ben voilà, il reste à nous. Hé, maman et François. Hein? Alors, et le chef de la bande. Ça doit être le chef, ça, non? Hein? C'est les mamans là. Comment? Anthony. Hein? Anthony. Anthony. Anthony, qu'est-ce qu'on fait? Jouer tambour. Jouer tambour? Bon, là, ça va aller alors. Oh, ouais. Ben, bonsoir à tous et bienvenue cette semaine encore sur Canal Austral. Canal Austral Télévision, comme tous les semaines, nous fait de la cuisine ici. Nous fait de la cuisine ici, Bassin Labou. Et cette semaine, nous chape pas encore. Cette semaine, nous fait encore la cuisine, mais une cuisine un peu particulière parce que cette semaine, nous fait de la cuisine avec un paquet Malba, pour pas changer, on va dire. Hein. Et ce soir, c'est de la cuisine avec de la danse, avec de la musique tamoul, et puis de la cuisine aussi tamoul, mais la cuisine tamoul est un peu purement réunionnaise, parce que ben, ça fait, paraît-il, un coq, mais un coq créole, un peu façon Malba. Et surtout, on a quelque chose que j'aime bien, que les créoles, généralement, ils aiment bien, surtout quand on a des cérémonies, c'est le cabri massalé. Donc, ça revisite le cabri massalé ce soir, et après, des petits gâteaux pour le dessert, ça des calous, hein, des petits calous, et ben on est en train de faire là-bas, de l'autre côté là-bas. Mais peut-être pas le temps de mon introduction, faut pas que ce soit trop long, parce que la cuisine va être quand même assez longue ce soir. Nous retrouvons à nous dans un petit instant, tout autour de la cuisine, avec toute banda, un paquet de monde, on va voir qui s'est aidé tout ça tout au long de la soirée. On aura aussi de la danse tout à l'heure, la danse indienne, avec trois danseuses qui sont déjà avec Julie là-bas, en train de mettre le sari de Julie de l'autre côté là-bas, avec un danseur aussi qui fera partie de l'équipe, et après tout ça dans une bonne ambiance Malba, une bonne ambiance tamoul ce soir sur Canal Austral. C'est un gros coq ça? Un coq paysan? Un coq pays? De la cour, mais de la cour en France, mais nous en France, sinon. Bah, oui, hein, c'est pour ça, hein? Bah, c'est pour ça, hein? Et bon, hein, quand on voit la craque des bras comme ça là, t'as plus dit qu'il fait un coq pays, non? Ah, ça, quoi. Hein? C'est un coq de France ça? Non, la cour. À quoi? Ben. Et bon alors. Okay. Il a grandi là quoi même. Ben. Mais les camarades, il fait un super vin, il fait la lettre partout. Hein. Ben. Ah voilà. C'est la peau dessus. Ben. Et après ça fait griller. Non. Hein? Non, t'as juste la peau. Ça fait quoi? T'as juste la peau. Ah, t'as juste la peau. Ben. Moi de Paris. À Paris. Ah, donc tu fais pour gagner enlève la peau alors. Ben. Ah d'accord alors. La monde arrivée, d'accord. Ah, oui, c'est bonsoir, monsieur Jean-Claude. Ça va? On l'a trouvé chemin alors? Difficile, mais l'arrivée. Ah, d'accord. Ben, bienvenue alors, hein? Sivendra. Bienvenue. Hein? Bien se tromper. Alors, c'est qui ça fait le gâteau? C'est ma nièce. Alors, la nièce, comment appelle la nièce? Meira. Meira. Et Meira, c'est qui ça fait le gâteau? Comment appelle le petit gâteau là? Calou. Calou. Oui. Hein? Calou. Oui, Calou. Calou. Ah bon, elle n'est pas la doux. Non. Comment on appelle la doux tout à l'heure, moi?
C'est Calou. 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 Et quelle différence entre Calou et Pilon? Non, on arrête. C'est pour ça que nous allons être là jusqu'à demain matin, nous. Hein. Donc, on fout le petit gâteau là, on prend de la farine. Voilà. Hein, et là, on ajoute le beurre. Carrément, un tablette de beurre comme ça. Oui, vous donnez un kilo la farine, oui. Bah, attention à notre cholestérol. Mais nous le mangeons. Et un kilo de farine? Un kilo de farine et un plaquette de beurre, ouais. Ouais, un plaquette de beurre. Et quel beurre vous avez? Président, normalement. Président, pour ne pas faire la marque, mais c'est une beurre ordinaire. Oui, faut pas que c'est une beurre salée, non? Non, beurre doux. Beurre doux, hein. Et donc là où ça mélange tout ça? Ouvrez un chalumeau? Non. Oh, bon, hein, c'est bon. Les bons là, ok. Gentil riz, hein. Vous connaissez avec un chalumeau, le téléphone plus vite, non? Oui. Tu connais? Allez, bien dit. Merci. Merci. Les autres, tu es encore mal barré, toi? Bah. Shao Kahn. Devdas. Ah, où c'est Devdas? Bah, ça s'arrête quand? D'accord. Et ça s'arrête quand aussi? Mais bon, donc là, on a les oignons, l'ail, tout ça. Ça, c'est pour le Massalé Kaboui. Et le coq, comment c'est fait ça? Ben, avec Zanyo même. Ouais. Et le coq, comment ça fait? Créole. Et là, c'est moi, banane, parce que banane dans un côté Kalou, là, il rajoute de. Lait concentré. De lait concentré, hein. Voilà. Nestlé? Oui, Nestlé. Nestlé, hein. Avec le petit oiseau. Ah oui. Hein? Et il boit, il est concentré comme là, hein? Si, il boit toujours. Il boit ça encore? Avec le thé. Avec le thé? Oui. Ah, d'accord, il fait un masala tea avec après? Ben. Ok, le masala tea. Non, du tout. Non. Bon, on aime pas d'ailleurs ça comme ça. Oui, bon, ça, hein? Oui, on aime, oui. On aime. Mon grand-père aussi. Hein. Ah, le grand-père aussi fait encore son masalati. Mon grand-père. Donc, farine, beurre. Lait concentré. Et lait concentré, hein? Oui. Voilà. Et là, il faut mélanger. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous faites? Là, mais ça fait carré poulet ici. Carré poulet? Voilà. Ouais. Là, moi, je commence à mettre de l'huile. Dès le temps, il verse de l'eau là-bas. Ouais. Il me laisse de l'huile bien chaud. Après, il me rougit un peu le coq. Voilà. Bon, généralement, bon, là, c'est quoi qu'il fait? Il fait massalé, il fait civet, on fait carré créole. Oui, parce que tout le temps, là, au sol, ça va, tout le temps, nous mangeons massalé, nous mangeons cabri massalé, tout à fait. Là, nous sommes dans un petit coup, on a fait un coq créole au gros piment. Au gros piment? Voilà. Ah bon, d'accord. Voilà. Mais bon, et coq créole est dur, ça, non? Non. Allez, total, inertant. Inertant? Oui. Et voilà, par contre, deux fenêtres dans le paquet, là? Oui, par contre, là, ça y va. Il voit le malba ici, hein, ce soir-là? Hein? Parce qu'il paraît que là, comme ça, t'as rien que malba, elle nous fait livrer ça? Hein? Bon, mais croyez-moi. Parce qu'à chaque fois qu'elle a un mouni arrive ici, il y aurait moins de feu. Ah, parce bon? Qu'il prend moins pour le malbar de service qu'on prend. Ah bon? Peut-être n'ayez que malbar de l'alume de feu. Ah non, non, il n'est pas vrai du tout. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne de feu. Mais bon, ben, ça s'appelle Zétor. Hein? D'accord. De feu, hein? D'accord. Peut-être que François gagne de feu aussi. D'accord. François, vous gagne de feu où? Moi, c'est le feu. Ah, où le à feu? Moi-même de feu. Ah, au gardien volcan. Ah, gardien volcan. Voilà. Donc, mon ami gardien de feu. Il n'allume pas de feu, il n'a pas besoin d'allumer. Mais gardien, on en a déjà. Et bon, alors, ok, alors. Et Zétor, Zétor. Zétor, pas de cachet? Peut-être pas à t'y habiller. À t'y habiller? D'accord, parce que peut-être il danse ce soir, mais crois, non? Peut-être aussi, parce que je l'a pas dit à soir, il danse? Zétor, il danse ce soir, non? Ah bon? Ben, enfin, il connaît pas, moi. Peut-être pas à t'y habiller, prépare à lui. Bon, ben là, nous, nous allons le volaille dans le coq, dans le marmite. Au moins, écoute-le, le soir. Ciao. Comment c'est ça? Ciao. Et dans toute bonne cuisine que je respecte, on a toujours une manœuvre pour mettre dedans. Ah oui. Et ce soir, c'est où une manœuvre de service? Ouais. Hein, la boucane de feu que vous disiez. C'est où même ce soir? Depuis longtemps, nous l'habitons sans ça, nous. Ah bon? Ah oui. Dans une cérémonie, tout ça? Bah, partout. Bah. Pareil. Mais bon, venez là, c'est bête parce que de l'autre côté là-bas, ben, Nathan fait le gâteau là. Ok, hein, calou, ok. Ça, on va faire toute la dîner, la mettre un ingrédient, on va faire du bien. Ah, mais faut garder. Ça va, ça va. Il a son goût de joie, non, moi là. Mais bon, là, par contre, là, comme ça. J'ai dit cardamone. Ah, c'est le cardamone. Oui, il y a point de cardamone. Et on met le cardamone dans un petit bocal de curcuma. Ben voilà. Ça m'a le bas, même ça. Ça m'a le bas, même ça. Avec crème fraîche. Et la crème fraîche dedans. Oui. Donc là-dedans, on nous récapitule. Hein. Vous lavez la farine. Oui.
Vous lavez du beurre. Du beurre. Hein, doux, hein. Oui. Voilà, vous lavez de la... Lait concentré. Lait concentré. Cardamone. Et de la crème fraîche. Voilà. Et la crème fraîche, pas beaucoup, hein, Marie. Non, juste un petit. Juste une petite boîte comme ça, hein. Et la farine, c'était au départ, c'était 1 kg de farine. 1 kg de farine. Ah, 1 kg de farine, hein. Oui, alors avec le bonnet, mais il y a pas d'eau. Et c'est comme ça que tu fais habituellement quand on a des cérémonies. Oui, bien... c'est comme ça. Tout le temps pareil. Tout la recette ne change pas. Elle ne change pas. Ok, Dame là, rajoutez un petit peu le thym. Ouais. Ah, donc pour remuer un petit peu le thym. Voilà, ouais. Voilà. Mais celle pour avoir non pas encore. Après, nous travaillons. Après, nous travaillons dans l'ail, dans tout à fait, nous travaillons après. Ah, dans bah. Comment ça, dans l'ail. Dans l'ail. Ah, donc pour lier l'ail alors. Voilà. Ah, le poivre. Le poivre, ça après, hein. Ouais. Et du coup, vous faites même un petit peu là haut. Tu as la pomme là. Tu as la pomme. Ouais. Ouais, d'accord, alors. Tu penses qu'il y a des arts. Non, là c'est bon, c'est bon. C'est bon alors. Oui. Pas besoin de machine et tout ça alors. Non, machine à la main, traditionnelle. Traditionnelle alors. Traditionnelle. Comme on dit, l'huile de coude. Voilà. Voilà. Et après, tu fais. Nous forme le calou. Hein? Nous forme le calou. Là, ça forme le calou. Voilà. Hein? Donc c'est bien ce qu'on m'a compris. Ça c'est le calou. Et le calou, c'est là. Hein? Parce que là, il ressemble à un calou vraiment. Hein? On forme le calou. Et là-dedans, la pointe de miel, la pointe de sucre, il n'y a plus rien pour l'instant là. Si, lait concentré, ah, sucré. Lait concentré, sucré, c'est sucré. Ben oui. D'accord, alors les pommes. Fait un peu de même, ça, non? Bah oui. Ça met un peu ça. Ça met un peu ça. Vous râlez. Vous râlez. Pas un mot de bateau. Comment va ça? Et tout ça là, il y a là. Et la pointe cabri là. Dans ma salle. Dans ma salle. Tout ça là, il y a tout ça. Faut tout ça alors. Ah oui. Du carré, du carré. Et toute l'ail là, elle est bon, hein, il faut ça. Tout ça même, bah, il faut ça même. Elle est bon, bah. Alors, ok. Et là, comment elle est? Bonjour, comment ça va? Ça va, vous l'avez un petit peu tard. J'avais un petit peu tard, mais regarde un petit coup, Bande de Mont Saint-Paul fait ma salée. Ma salée, Bobo Calou, comme ça. Oui, Bobo Calou. Bobo Calou, ouais. C'est bien fait, joli, hein. Maintenant, vous connaissez quoi le Calou, c'est quoi le pilon, alors? Ouais, m'y pense, c'est ça le pilon, là-bas le Calou, non? Ah oui, s'il appelle Calou, vous dites que ça, il a un Calou? Ah ouais. Oui. Peut-être c'est ça la réponse normalement. Hein? Ben, un petit bonjour à toutes les gens qui regardent Canal Austral, regardez-moi. Et ben big up toutes les camarades, les amis. Les bons, ok ben là. Allez. Ouais, cabri, cabri. Ouais. Ah oui, t'as l'air va goûter. Va goûter dans ma mamite. Massalé cabri. Massalé cabri alors. Elle est un petit peu différent bien massalé traditionnel là. Ah pareil longtemps même. Pareil longtemps même. Ah oui. C'est recette d'un gramoule longtemps. Ça c'est recette gramoule longtemps. Ah oui. Donc on va découvrir encore d'autres choses nous alors. Ah mais bien sûr, bien sûr. Des astuces comme ça. Des astuces, bah. Mais maintenant allez avec un. Patience alors, allez alors, hein? Allez, parce que vu la quantité là, il est naté là, hein. Benoît, hein, à où tu utilises pas pilon de calou, hein, ça utilise la machine. La machine. Ôté, après de mon tradition, grand monde longtemps. Pour une fois, puisque on en a deux vérités autour de vous, c'est quoi le calou et c'est quoi le pilon? Ben là, midi aujourd'hui, voilà le calou et le pilon là-bas. Là, la vérité. Le pilon là-bas. Donc voilà la vérité. Et ça fait un peu calou là. Ben, ça fait. Pourquoi il fait ça ou? C'est essayer. La dit, tourne la main. Elle l'a dit, l'essayer c'est l'adopter. Qui savoir adopt là? Hein? Qui savoir adopt là? Et il colle pas. Il adopte le calou. Non. Hein? Notre beurre. Notre beurre, ouais.
Alors, c'est quoi donc? Ah, bien. Et on a dit, cette DNA là, hein, il reconnaît tout de suite dans le. Ah bar. Oui! Hein, il reconnaît tout de suite. C'est ça. Donc, on va faire un jeu, reconnaissez cette DNA. Trouvez cette DNA. La chenille. Comment on cherche ça? La chenille bien charnie. C'est avec la BNP, mais comprends pas moi. Ah d'accord. Voilà. Ah bon? Oui. Et quand il pète à la main, comment il fait un désordre? Non, c'est dans l'huile. Dans l'huile. Oui, voilà. Vous comprenez? Parce que bien là, voilà. Tu crois que ça pète, tu bouche ton nez déjà, il a. Non, pété le a fait dans l'huile. Dans l'huile. Voilà, c'est ça, dans l'huile. Voilà. T'as effectué. Donc, pour éviter qu'il pète, il faut faire quoi alors? Très bien. Voilà. Très bien, c'est quoi? Explique à nous. Il faut bien rouler. Il faut bien rouler, il ne faut pas y rester le bon petit trait dedans. Il ne faut pas y rester le fond des rayures. Voilà, c'est ça. Et dans longtemps, on fait ça. Ah bon. Oui. Vous voulez rire de pieds, Jou? Non. Vous avez envie de rire de pieds? Non, non. Là-bas. Et puis, je connais Calou. Bah. Ah, vous faites ça aussi? Ah oui, avant tu fais. Avant tu fais? Bah. Maintenant, quand je fais pire. Ah, vous connaissez ça de main. C'est bien là, hein? Non, il y a plus le temps. Maman, il mange plus ça. Les sucrés quand même, Calou, hein. Sucrés, hein. Les sucrés, bien. Avec ça, là, ça donne un petit peu, bon petit peu là et là, et bon cheval là, au cabri là. On est là, ça donne bon cheval, la polaille. Ben, la polaille, la poussoignon. Ouais. Ben, ouais. Puis elle jette un petit peu. Et où sont-ils tous? Saint-Paul, le temps Saint-Paul. Beaucoup d'aimes ça ou non? Ben, oui, la même politique. Non, parce que la polaille, la poussoignon, c'est la politique aussi. Non, on ne connaît pas. Hein? On connaît, si, mais là, ça va là. Bon. Comment on lance ça où? On me lance, comment? Yeah. Oh, ben, il y a, regardez. Il y a direct, je vais voir. Regarde comment il est tout de suite là. Là, on a habité que mon cheval est serré. Ça, c'est pas l'habitude que mon cheval est serré. D'ailleurs, ta mère, ça va dessus. Hein, on fait tambour malba ou non? Tambour malba. On a longtemps fait ça? Ah oui, il y a longtemps. Combien d'années à peu près? Il n'y a pas de dire, il fait au moins 15 ans. 15 ans, moi? Ah oui, au moins. Et dans le tambour malba, on a combien d'instruments? Ah, on a un tas, on a un instrument. Ben, on a le tambour, ouais. Après on a le satin, le morlon, ouais. Et après on a notre musique encore, il s'appelle l'aslon, ouais. Morlon, accompagné avec un djalé. Bon, et où je quoi où? On joue un petit peu tout, l'aslon, tambour, tout, un petit peu tout. Ben, et il faut des années d'expérience pour jouer de ça? Ah oui, faut apprendre. Faut apprendre. Ah oui, faut apprendre. Ouais, comme toutes affaires. Bah ben oui, il faut apprendre. Si vous voulez connaître bien jouer, il faut apprendre. Ouais. Ah oui. Ben les bons alors, qu'on a voir ça tout à l'heure. On va voir ça, ben. Les bons alors. Quelque part, on va faire danser un coup. Les bons, mais il n'y a pas de danse. Ah ben faut danser. Donnez-moi pas que ces gars-là, mais il n'y a pas de danse des autres affaires. Faut voir, on va voir. Ces gars qui ont dansé. Ah oui, ben. Dans la gagne de ces gars pour. Les bons alors. Il y a fait ces gars-là. Ah, va bien, chez nous là, toutes nous. Les bons, ben. les bons alors. Les bons. Quelque part. Allez, tout à l'heure alors. Tout à l'heure.
à côté, tu fais un autre feu pour gagner, mettre le cabri au feu. Hein? Voilà. Oui, voilà. J'ai mis un petit feu. Après, on revient au instant, hein, parce que vous venez notre. Notre les épices, vous savez dedans. Vous y mettez quoi? Un épice secret? Non. Une épice secrète? Non, un épice de la ferme, pour rendre la couleur. Pour rendre la couleur? Ah oui. Ah, ben, c'est ça. Parce que le couleur la ferme? Non, les pas encore. Mais la volée, il faut rendre. Non, les pas encore. François, c'est ça, non? Non, non, les pas encore. Volée, François, il faut rendre la couleur. Là, il faut nous faire l'enquête. Il faut qu'on arrive sur le top pour mettre la couleur. Ah, pour qu'on arrive sur le top. Pour l'instant, on en a que un petit peu le thym, le rajout dedans tout à l'heure. Le thym, ma fille mettait zinzombre, l'ail. Là, ma fille a ronzalier un petit peu. Des sel, ma fille mettait aussi. Ah ouais? Voilà. D'accord, ben voilà. Bon là. Nous suivons là, nous suivons. Oui, oui. Ah oui, il y a des en bois. Comme ça, ce moment que nous gagnons fait carrière après nous là, nous déou. Mais nous déou, mais tu es là, maintenant nous connais nous. Maintenant nous gagnons fait. Moi, comme bien les Michaud. Il y a des de monde. Voilà. Ben, on va demander. Mais comme bien les Michaud, vous faites. Et par an, donc là, toutes les recettes, vous connaissez. Ah ouais, ouais. Ah ben oui. C'est le meilleur. Ah ben oui, le meilleur, c'est où? Le meilleur, c'est où? Ben oui. On a fait, on croit pas moi, peut-être. Mais combien de monde gâte de monde nager dans la rivière et jamais apprendre à nager? Ah non, mais ça, là, c'est pas parce qu'on regarde qu'on connaît. Même il pense apprendre à cuire à manger pour manger là. Pas apprendre plus vite, il pense. Pas apprendre plus vite. Avant de râler ça, c'est la droite, c'est la gauche, tout quoi. Hé, Jean-Baptiste. Bonne marmaille, il bat bien ton bois, ça, vous connaissez? Non, c'est vrai, mais vous connaissez comment Saint-Paul il appelle bonne marmaille, je tambour? Tambouillé. Tambouillé. Ah bon, c'est vrai ça? Ah oui, la beauté. Tu viens pas? Grand diable. Grand diable. Vous vous prenez au grand diable? Et là, ça va être. Là, ça l'a un petit peu sa pointe. C'est ça son couleur alors. Hein, ah, oui. Couleur, alors hein. Et vous jouez pas qu'à couleur, ouais? Hein. Ah non, pour la santé, elle est bon. Ils mettent la couleur. Ah oui, pour la santé, elle est bon. Poêle, ah oui. Ah, les deux poêlés, la couleur là? La couleur, pour les mecs, s'ils mettent pas, elle est pas bon. S'ils mettent pas, elle est pas bon. Ah non, elle est pas bon. Faut une la couleur, hein? Ah oui. Mais trop de couleur, tu es pas la couleur? Non. Non. Non, 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 trop de couleur, tu es pas la couleur. Ah, tu es pas. Pour le décolorant. Non, mais ça prend le bon pour la santé. C'est du curcuma. Ah ouais. Curcuma. Voilà. Ça, et c'est pour ça que normalement les épices là, quand on gagne les épices en dedans, il a fait bien le corps. Voilà. Voilà. Et bon. T'as vu comment il y a battu là où? Ça tambourait dans le bar, ça. Tomate, est-ce que? Alors ça, la gagne, tomate? Ah oui. Moi, pour avoir un peu son. Oh, regarde combien de trappes tomates là. Bien, on l'a vu combien de trappes tomates là. Dans la même les affaires. Et là, comment vous osez la tomate là? Ah, ils osent dans mon cœur, même ils osent. Ah, dans le cœur? Ah, oui, dans mon cœur, ils connaissent la cause. Ils osent avec le cœur, Diao. Ils osent avec le cœur. Dans la main, c'est tout de suite pour tenir même là-bas. Eh oui, la panne, la panne. C'est un poulet créole, ça. Ben, on a un poulet créole là. Un poulet créole. Et gardien, là. Et là, ça va faire cuire, quoi. Ah oui, là, là. Là, on laisse un petit peu le tomate cuire un peu. Après, on met ça à ajouter de l'eau. Pour moi, il a cuit le volaille. Ah oui. Enfin, dire le volaille. Dire le coq. Le coq. Voilà, comme il dit. Hé, hey, mon bon camarade bricolage, c'est tout ça. Regarde comment il fait ça, hein. Le top, on est garde, là. Je garde aujourd'hui un petit biguet pour ça, hein. Bon, bricolage, c'est tout ça, non. Elle s'est mise à des petits coups. Au moins, le tomate prend de le coq. Ouais. Il balance des coups de cuillère. Après, nous rajoute de l'eau. Les bons, voilà. Ça, c'est le sirop pour le lagou, hein? Le calou, le calou. Le calou, pardon. Oui. Le calou, hein, le lagou, le calou. Ouais, c'est bon. Et tout ça, dans là. Donc, on fait bouillir de l'eau. Oui. Ensuite, on rajoute tout de sucre. De vanille et après cardamome. Un peu de cardamome, c'est tout. Voilà. Mais c'est quoi dans la liste de petites couleurs un peu caramélisées là? Le sucre, je pense. C'est le sucre, ça, oui, alors. Le hein sucre. Voilà. Hein. Et nous dire tout le monde, il ne faut pas boire ça. Non, comme non, ça, surtout pas. Diabète surtout après. Pas. Ben, voilà. Hein. On a rajouté un peu là. Hein? Ah, c'est un peu là. Amène de l'eau, amène de l'eau. Amène rajoute encore un peu de l'eau là. Et à mon avis, on s'avance pour. Il faut mettre de l'eau, comment il vient? Hein? Comment il vient? Là, il est cuit, là, il est cuit, là, il sèche. Là, il est cuit, il est réduit, et il est tendre. Il est moins alors. Voilà, moins. D'accord. Tendre. Au moins, t'as l'air quand on passe à table là-bas. T'as pas besoin de force ici. Râle pas de tir. L'article là, non, il veut pas ça, nous, hein? Ah, comment on râle ça, vous? Ah, comment on râle ça pour le baiser?
deux minutes. Ben, nous laissons bien réduit. Oui. Après, on va voir son affaire tout à l'heure. Voilà. La cuisine n'a fini où là, hein? Ici. Ici. Pour le coffre hein? Créole, lui. Voilà. Ça, c'est pour le cabri, ça, hein? Ouais, cabri. On va rajouter ce fait dans ma mine, ça. Donc, ça fait revenir le cabri, hein? Voilà. Pas revenir à l'île, là, de son lot. Ben, voilà, là, de son lot, voilà. Ah, laisse-moi embêter l'affaire. C'est bon, là, c'est bon. Un petit peu si long? Bah oui. Ou lave le si long tout de suite comme bah, ça? Ah oui, oui. Ah oui. Bon, c'est ça le secret alors? Bah. Moi, le si long là, il travaille. Dans la cuisson, après. Pour faveur là, tout à l'heure, comme il a galé, miracle, viande dedans, le faveur si long là, il rentre dans le. Dans le viande. Voilà. Bon, là, le lave est sur le cabri, hein? Toujours pareil. Tu dis que c'est tiens même. Tu dis donc que c'est pas tiens, les pas bon. Ouais, je viens de faire, je fais travail pas. Ah, mais super, voilà. Aïe, tiens. Comme dit mon gars, à moi là, donc ça fait les pas, lui les pas là. Puis on entend tiens. Voilà. Mon gars, il dit où il est? Nicolas, mon gars, il vient salir. Et là, le bon petit calou, il est directement dans l'huile, hein? Oui, dans l'huile. Dans l'huile, et vous pouvez revenir à l'île? Oui, et après, voilà, vous mettez dans le sirop. Ah, vous mettez dans le sirop aussi? Papa? C'est dans le sirop. Julie, oui. Comment ça va? Oh, t'es belle, elle est là. Oui, bien sûr. Mieux que toujours, n'est-ce pas? Mais c'est quoi cette tenue-là? Ah, ben, enlevez du bel en tamoule, même si la fine passée. Voilà, même si la fine passée, ben là, nous, elle est là pour ce soir, nous retrouvons nous un petit peu hein, pour fêter ça ensemble, n'est-ce pas, notre chère Wendoline? Donc, une fois que la fille nous fait revenir le calou, mettez-le dans le sirop comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, et après, ça rose un petit peu de. De poudre de coco dessus. Oui, voilà. La poudre de coco dessus. La poudre de coco. La poudre de coco. Après, ça, là-dedans, c'est un sirop rose, de la rose. Hein. Ça, c'est le sucre. Ça, c'est le sucre alors. Et après, on met de l'eau. Et après, on met un petit peu de cardamome. Que de l'eau, du sucre et de la cardamome. Voilà, c'est ça. Ça vous parle, ça. Voilà. On attend les autres frites sur le avec toi. Voilà. Ça, c'est la poudre de. De coco. Coco râpé. Julie, on a parlé de la poudre de coco, si vous, on en a un peu à faire briller. Ah, mais la brillante, tout à brise, la dame est brillante. Brise dans, sur la dame, c'est brillant. Brice, en fait, Brice, c'est aussi un très bon maquilleur. Il est esthéticien. Oui, esthéticien hein? À voilà. Saint-Paul. Il est esthéticien à Saint-Paul et il maquille les gens, etc. Et donc, tout à fait, tout à fait. Voilà. Noix de coco. Voilà. De Tatiléa, mais c'est pas grave. Hein? Tatiléa, hein? Voilà. Hein? Tonton Aline ou ma tante Solange. Toutes les bons pour faire. Pareil, hein? Voilà. Oui. Bon, alors, d'accord. Okay. Enfin, le cabri. Hein? Bah oui, bah. Il rentre son eau, hein? Bah. Il y en a un peu quoi, on a fait comme ça, un paquet cabri comme ça, dès qu'à quand on rentre sur l'eau, on fait bien petit ça. Ben, et là, on ne connaît pas. C'est pas un grain de mouroum, ça. En fin de compte, là, on connaît pas. Là, nous avons deux parties cabri. Ouais. Là, nous avons un partie cabri un peu plus tonne. Ouais. Et il avait un cuisse cabri, c'est un peu plus dur. Donc, on va mettre le cabri, le cuisse, avant. D'accord. Comme ça, au moins, il prend un peu la cuisson avant. Ouais. Comme ça, comme il prend l'autre. Les deux travaillent en même temps. D'accord. Voilà. Ouais, ouais. Parce que si ils mettent tout ensemble, tout à l'heure comme ils trappent un morceau là, ils donnent un pour que tu fais, ils trappent, ils cassent, ils disent bon là. Mais quand ils arrivent à table là-bas là, s'il y a bite dans le morceau, la cuisse là, ils tombent plus dur. Un bon technique, hein? Ben, voilà. Le plus dur d'abord et plus tard après. Voilà. Moi ils travaillent les deux en même temps, après quand ça va. Voilà.
le temps. Ouais, ils viennent rajouter. Ils viennent rajouter le temps, hein. On entend, ouais. Ah ouais, nous voilà. Ah, bon, alors. Ah, moi, j'ai ça, c'est Calou Saint-Paul. Maladie à lui, on l'a pas goûté aussi, c'est de tendre. La diamant, ah, si, c'est tendre aussi, il est délicieux. Mais bon, mais c'est pas que ça y fait, hein. C'est fait, c'est tendre, tout de mon il fait bien Calou, t'es cet André. Ah, tradition, t'es ma maille. Et voilà. Ben oui. Là, qu'on va mettre dans le caboula. L'ail. Non, Claude, là, on va mettre un peu l'ail. Là, on va mettre l'ail. Ben, on va mettre un peu l'ail. D'accord. Là, on va faire la guerre pour l'oignon. L'oignon tout de suite. Un peu d'oignon tout de suite. Là. D'habitude, vous voulez ramener un peu plus gros que ça ou non? Hein? On ramène pas un peu plus gros que ça d'habitude? Ben oui, d'habitude. Mais là, comme un petit peu. Pas trop gros, le mamie. Hein, donc c'est pour ça. Voilà. Là, nous. Ça t'a donné, ça commence à aller. Julie, ma salée, où vient ça, hein? Ben écoute, bien sûr, voyons. Ce soir, nous, ça vient manger, là. Ah, bon. Hein, ma chérie, ce soir, nous, ça vient manger, là. Mais bon, là-bas, deux fois quand tu moi. Et ça, donc là, ça va être calopiné. Là, ça va être calopiné. Tu sais, le temps qui cuit, c'est ça, regarder les danseuses qui ça marchent sur le feu. C'est bon. Voilà. Mais allons alors. Allons.
Et là, on met bien caloupiné, hein. Ah oui. Ah oui. Faut pas jouer avec lui, caloupiné, hein. Caloupiné, faut pas jouer. Bien mettre. Ah, il mettait un peu safran tout dedans, dans la ah, ah oui. Il gâte pas ça, hein. Ah, je rajoute un petit peu sinon là. On avait mettre au départ, mais là rajoute un petit peu. Ah ouais, mais donc il y a un petit goût sinon là. Voilà. Ah, mettons un petit peu safran encore parce que safran n'est pas encore. Comment il y a alors? Là, le masalé? Ouais. Voilà. Vous mettez un petit peu masalé là? Ah, ben oui. Il y a et ma salée là, on rajoute une seule fois ou bien deux fois ça? Ah, une seule fois même là. Une seule fois même là, ah, oui. Ah oui. On rajoute pas deux fois là. Ça, c'est ma salée ma tante là. Ah bon? Ma salée ma tante là, ça elle est bien fort, elle est bien à faire. Ah, hein. Donc, ça elle est bien concentré. Donc, pas besoin. Ils sont de là, le voilà, massalé sur voilà. Ma tante. Donc, je dis, oh, trois même à mettre, trois bras à mettre là, les bons. Un gâteau qu'on s'en va aussi, comment on ma tante, ils sont bien le massalé. Ah, ben, mais ils me supposent. Et là, mais grâce à ça, vu l'odeur, ça sent très bon. Ah, ben oui. Un petit peu de tomate, rien que pour le côté acidité. Ah, et tamarin, on va juste prendre. Tamarin, là. Nous mettre. Tamarin. Le jour, il est bon. Mais demain, il est plus bon. Donc, on ne peut pas rajouter. Donc, si demain, par exemple, un monde vient à prendre un petit barquet, un petit affaire, il n'est pas bon. Parce que, non, là, nous, comme des fois, dans un peu période en été, bon, là, ça rentre un peu dans l'hiver, mais préférable. Ben voilà, préférable. Et seulement, si nous mettons les tamarins, il vient comme un petit coup, un peu plus bon encore, c'est ça, c'est sûr. Hein. Mais seulement là. Mais après, il ne conserve pas. Et on peut mettre la marée que tu peux mettre encore alors sinon. Ah non, mais là, chaque mois, la mettre là, les bons. Chaque mois, la mettre là, les bons, mettre un petit peu de tomate, ouais. Comme on dit, pour l'acidité. Voilà. Chaque mois, la mettre les bons. Là, le goût. Vous goûtez là, le goût. On va voir le goût. Hein? Hein? Ah, vous l'habitiez ou ça? Ah, hein? Ah, là, mais rajoute le sel. Ah, tu peux rajouter le sel? Ah, non, ah, non. Le sel, dernier. Ah, dernier. Là, il prend le fond un peu, hein. Ah oui. Là, quand il prend le fond, là. Là, il est bon, là. Après, nous rajouter un petit peu de l'eau, est-ce qu'il y a. Là, on rajoute de l'eau. Ah oui. Pour gagner la cuisson. Voilà. Mais il y a un cul, parce qu'il y a longtemps, il fait aussi, hein. Son eau, là, il y a un petit peu. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tiens dessous, mets en l'air. Tiens dessous, mets en l'air. Il manque encore de l'eau, encore. Ouais. Là, nous on a prêté 8 kilos cabrile. Hein. 8 kilos cabrile. Ah oui. 8 kilos cabrile là. Et parallèlement, à côté où ça fait un petit peu le grain. Ah, ça fait un petit peu le grain là. Vous avez une boîte de glace sur les rayons là. Vous allez là. Vous allez là, hein. Bah. Ça arrive au blanc, hein. Bah, ça arrive au blanc. Ça va être le calopilé. Calopilé, le thym, l'ail. Un petit peu de safran aussi, alors. On a dit mettre safran dans le grand tout ça. Ah, ben voilà. Tout à fait. Je vais mettre safran, mais mettre pas tomate, mais mettre safran. Mais pas tout le monde y met safran non plus. Pas tout le monde y met safran. On ne met pas. Non, il va garder blanc. Comment? Blanc. C'est-à-dire qu'il ne met pas sa fond dedans. Ah, moi-même, je connais la couleur. Comment? Ah non, mais voilà.
Non, en fait, moi, j'aime bien quand mon grain il a un peu de couleur. Il n'aime pas quand le grain, les blêmes, hein, quand il manque du safran notamment ou de la tomate. Après, bon, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais... voilà. Voilà. C'est bon. Bien comme ça, qu'on cause comme ça. Mais il cause toujours comme ça, mon cher. Alors, tu as envie de prendre un train. Ah, je voulais prendre un train. Quel train? Le train express? Le poil express? Pas moi, lequel? Et là, c'est pieds blanc, ça, les haricots jaunes, là. Ah, les haricots jaunes. Ah, oui. Il est parti, hein? Ah, il est parti, ah, il est beau, hein? Est-ce que vous faites cuisson, hein? Ah, puis il y a un taille. Ah, bon? Ah, il est dans 10-15 minutes, à peu près, il est beau. Il est bon, là. Et puis, il faut combien de temps, à peu près, là, une Allez, il faut compter un peu, il y a le temps, hein? Il y a le temps. Ah oui. Il est bon, là. Il y a le temps. Okay. Vous êtes en fait avec la musique? Ah oui, il y a le temps, là. Il y a le temps. Là, nous mangeons un cabri fondant. Un cabri fondant. Ah oui. Mais bon, voilà. Je peux rouler un cabri fondant. Hein. Mais bon, il ne faut pas un cabri casse les dents aussi. Ah non, non. Hein, non. Là, il faut on pas chewing-gum. Vous ne mangez pas chewing-gum. Non. Hein. Ben voilà, non. Là, tout à l'heure. Le meilleur. Ah, oui. Comment on râle là? On n'a pas mes gosses. Ah, moi, je râle des mains. Mais là, dommage, non, là, elle n'est pas comme ça, nous, là. Là, nous, les festivités. Ah, mais tu savais le tout au cadre, tu fais ressemblant tout au cadre. Et tout au cadre, alors, hein. Non, mais là, en tout cas, il ne flambe pas l'Iran. Mais merci bien pour le cuisinier. Ah, merci. Merci de tout aussi. Que nous toutes mettre la main ensemble. Et voilà, et après,
Mais bon, ben ok, ben merci bien tout le monde. Merci aussi pour les petits gâteaux. Kalou ? Oui. Kalou, hein, voilà, hein, tout le monde. Merci pour les danseuses aussi. Ah hein. Oui. Merci François qui lève la main derrière là-bas. Merci les tambours aussi, hein, oui, ici. Tambour, pas tambour sacré, mais tambour sacré. Hein, merci Bernard. Merci. Hein, merci Julie. Hein, Julie, vous êtes bien habillée aujourd'hui, vous êtes ça la bien comme ça. Ah ben, ah ben midi, merci à ma chère amie. C'est elle est là-bas, elle est là-bas. Voilà, Gwen, c'est ma Gwen, hein, je l'appelle tout simplement ma Gwen. Et donc, ben, m'y remercie elle beaucoup parce qu'elle aide à moi à mettre mon sari et tout ça. Et ben voilà. Et m'y remercie aussi Brice pour le maquillage. Elle a mis remercier aussi Brice. On a passé vraiment une agréable soirée ce soir avec les danseurs, les cuisiniers et tout le monde qui a participé. Donc voilà, c'est vraiment super. D'accord. Alors, aussi merci à Monsieur Zeton pour avoir organisé tout ça. Oui, hein? Merci beaucoup. Et merci le groupe aussi d'avoir venu, Rudy surtout et sa famille. Allez, ben parti. Hey, rahala, rahala, kala, kattu.
Non, il fait comme ça. Vas-y, les madame, là, prends la pâte, là. Pour femme, super. Eh, big up, ce chasson, c'est un col, hein. Bravo, hein. Ah, très bon. Oui. Ça, c'est bah, vous connaissez pas ça les bananes. Vous connaissez pas ça les bananes, non? Ben, ah bon. Je dis même la prépare le masalé. Vous essayez, c'est masalé banane? Non, banane affective, mais ah, vous la prépare le masalé? Non. Viens dire moi là. Non. C'est vous la prépare le masalé? Oui. Ah bon. Avec Soleil Réunion. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion. L'accompagnement côté était super, hein? Nous devons dire pas de venir aussi. Eh bien, ça, c'est pas compagnie. Dans son proche palais.